Qui peut bien sonner les cloches de l'église à cette heure-ci? Peut-être bien que c'est pas un être humain. Peut-être bien que c'est la chose. Et peut-être bien que c'est elle qui veut nous faire peur. Oh, il n'y a pas de revenant ni de monstre. Je vous l'ai pourtant déjà expliqué. Oubliez-vous la chose qui a égorgé les brebis de Charles Rousseau et cette chose n'a laissé aucune trace? Il y a sûrement une raison solide et logique pour que la cloche sonne à cette heure-ci. Et je m'en vais aller voir laquelle. Vous pourriez me déposer à l'église, Potts? Le courrier peut attendre. Rien d'urgent. Mais rien ne t'arrivera si tu es avec un prêtre. C'est vrai, ça, mon père? Ce qu'il vous faut, c'est plus de foi et moins d'imagination. Allez, venez, Potts. Il vaut mieux d'aller porter cette lettre au manoir. Je suis sûr que c'est important. Dieu merci, ne sonne plus. Curieux qu'elle ait sonné en pleine nuit. J'aime pas ça. Avec en plus ce fantôme qui parcourt les marais. Je l'ai vu encore ce soir. Et qui ça peut bien être? Où est Lord Penrose? Il est allé à Québec. Appelez-le au téléphone immédiatement. Messieurs, le plus grand obstacle à la preuve de l'existence des forces occultes est la difficulté à trouver des faits. Cependant, si les faits sont là, même le plus acharné des sceptiques, pourvu qu'il ait l'esprit ouvert, doit finalement reconnaître la réalité de l'existence du surnaturel. Admettez-vous cela, monsieur Holmes? Les faits sont toujours convaincants, Lord Penrose. Ce sont les conclusions qu'on tire des faits qui sont fréquemment erronées. Oui, dans l'affaire du chien des Baskerville, aussi bien d'ailleurs que dans celle du vampire du Sussex, nous Watson, avons... je vous en prie. Oh, pardon. Eh bien, cette fois, messieurs, j'ai la chance de posséder des faits. Des faits précis. Il y a bien des années, 100 pour être exact,
les habitants du village de la Mort Rouge virent une apparition. Le lendemain matin, trois brebis furent trouvées mortes, la gorge tranchée, d'où le nom sinistre du village. Mais c'est très urgent, monsieur. Très bien. Vas-y, Jimmy. Merci, monsieur. Je n'ignore jamais les faits, Lord Penrose. Et je ne doute pas que l'incident des brebis mortes, la gorge tranchée, soit indiscutablement un fait. Mais l'interprétation de ce fait comme preuve définitive de l'existence du surnaturel n'est rien de plus qu'une supposition. Et en conséquence, ne peut être acceptée sans confirmation. Vos opinions, monsieur Holmes, sont indiscutablement le résultat de votre incapacité à affronter une chose dépassant votre compréhension. Je trouve, mon cher, que vous... Je m'excuse, John, mais ce ridicule scepticisme... Oui, qu'y a-t-il, mon petit ? La Mort Rouge au téléphone. C'est très urgent, monsieur. Excusez-moi, monsieur. J'ai bien peur que Lord Penrose... Oh, je ne veux pas, Sir John. Lord Penrose est profondément attaché à ses opinions. C'est son privilège. Je vais partir immédiatement. Faites préparer ma voiture. Oui, monsieur. Messieurs, ma femme vient d'être trouvée morte, la gorge tranchée. Exactement de la même façon que les brebis. Mais c'est terrible! Dites, vous ne croyez pas que... Je suis persuadé, monsieur Holmes, que vous appelleriez ça meurtre par une ou plusieurs personnes inconnues. Je suis désolé, si je peux vous aider en quoi que ce soit... Merci, non. Je doute fort que ce qui se passe à la Mort Rouge vous intéresserait, monsieur Holmes. Étant donné les circonstances, nous devrions ajourner la session. Oui, je le crois, Sergeant. Holmes, quelle horrible chose. Sergeant, ayez la bonté de transmettre nos condoléances à Lord Penrose. Oui, je n'y manquerai pas.